بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين شيخ فرير شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى nous allons encore une fois passer quelques minutes ensemble pour le rappel du vendredi, inshallah ta'ala. Demandons à Allah de nous permettre ou d'améliorer la situation sanitaire de sorte que nous puissions retrouver nos lieux de culte pleinement, inshallah ta'ala. La semaine dernière, nous évoquions ce mois sacré que nous sommes en train de vivre. Ce mois de Rajab. Et nous avions dit que c'est un des quatre mois sacrés et que c'est pendant ce mois qu'il faut commencer à se préparer pour le mois de Ramadan. On ne va pas revenir sur les éléments que nous avions cités la semaine dernière. On va juste s'arrêter quelques instants avec ce verset qu'on a évoqué la semaine dernière, mais avec plutôt ou particulièrement une partie de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-arda » منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله سبحانه وتعالى nous dit le nombre de mois qu'il a créé, les mois sont au nombre de 12 qu'il a créés, parmi lesquels il y a 4 qui sont sacrés. 4 mois sacrés parmi les 12 qu'il a créés. Et la partie qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَلَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ Allah nous dit, telle est la religion droite. Ne faites pas du tort à vous-même pendant ces mois sacrés. Si on se plonge un petit peu dans la réflexion, dans la méditation, et nous essayons de comprendre cette partie du verset, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala mettait un accent particulier sur ces mois en nous mettant en garde de ne pas nous faire du tort à nous-mêmes. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ En ne faisant pas preuve d'injustice vis-à-vis de soi-même pendant ces quatre mois sacrés. C'est une manière tout simplement de nous dire que quand bien même l'injustice reste et demeure interdite, hein, toutes les formes d'injustice restent et demeurent interdites dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette injustice qui est interdite à tout moment le reste encore particulièrement interdite pendant ces mois sacrés. En d'autres termes,
l'injustice ou le péché commis en dehors des mois sacrés n'a pas la même portée que ce même péché qui est commis pendant ces mois, quatre mois sacrés. En d'autres termes, la bonne action que vous avez faite en dehors des mois sacrés n'a pas la même valeur que cette même bonne action que vous avez accomplie pendant les mois sacrés. La récompense des bonnes actions reste multipliée pendant ces mois sacrés et les conséquences de l'injustice ou de la désobéissance ou du péché commis pendant ces mois restent là aussi plus conséquentes que cette même injustice, cette même désobéissance qui est commise en dehors des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ » Ne vous faites pas tort à vous-même pendant ces mois. Et l'expression « al-zulm » « al-zulm »« لَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ » Ne vous faites pas injustice. Ne vous faites pas du tort à vous-même. Voudrait quoi dire? Ça veut dire tout simplement que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu spécifier un autre péché en nous disant, eh bien, ne commettez pas ceci, ne commettez pas le vol, la calomnie, la médisance, l'adultère, et les autres types de péchés. Mais il a choisi le mot « zulm ». En fait, quand on revient à la définition de l'injustice, nous trouverons que toute mauvaise action, tout péché est une injustice. Tout péché, toute mauvaise action est une injustice. C'est soit c'est une injustice vis-à-vis de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, parce que le shirk, c'est la pire des injustices. Le fait d'associer Allah à quelque chose, c'est la pire des injustices. Allah nous dit quoi ? Inna shirka la zulmun azim. La pire des injustices reste et demeure l'association, le shirk. Donc, ça c'est un premier élément. Ou c'est une injustice vis-à-vis de soi-même, parce que quand vous regardez quelque chose d'illicite, eh bien vous allez avoir des péchés par rapport à cela. Et la conséquence d'avoir des péchés, c'est le fait de tomber dans le châtiment d'Allah. Et c'est ton nafs, c'est ton corps qui subira les conséquences du péché que tu as commis par ton regard. Donc tu t'es fait toi-même injustice. Tu t'es causé toi-même du tort. Regardez, tout type de péché que vous faites, les conséquences c'est vous. Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. Rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout ce que l'âme, la personne accomplit comme action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh bien, le résultat lui reviendra. Laha, à lui, ma kasabat, ce qu'il a fait de bien, wa alayha ma ktasabat, et vers lui revient, et à lui revient les conséquences de ses mauvaises actions. Donc, au final, si le péché que vous commettez, ou le mal, l'action que vous faites, c'est une mauvaise action, eh bien, les conséquences vous reviennent. L'injustice peut être, si vous voulez, à l'égard d'autres personnes. Oui. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Quand vous calomniez quelqu'un, quand vous tombez dans la médisance, quand vous tombez, vous piétinez l'honneur des gens, quand vous trichez, quand vous faites un faux témoignage, quand vous tous ces préjudices qu'autrui pourrait subir venant de toi, eh bien, c'est une injustice à leur égard. Et vous voyez? Et donc, cette partie du verset « فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ » englobe et réunit toutes sortes de mauvaises actions, toutes sortes de péchés. Le fait
d'être, si vous voulez, ne pas être à la hauteur du comportement qu'il faut avoir vis-à-vis de ses parents, c'est enlever ce droit de respect, de l'amour, ce droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé aux parents, c'est de leur enlever ce droit. Et forcément, ça devient une injustice vis-à-vis d'eux. Donc le fait de ne pas être respectueux vis-à-vis de ses pères et mères, le fait de ne pas donner sa zakat, parce que la zakat c'est une obligation, c'est une injustice vis-à-vis du pauvre en particulier et des ayants droit en général. C'est une injustice, c'est de leur droit. Et ainsi de suite. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié particulièrement une action, une mauvaise action ou un péché particulier. Non. Il dit, il utilise le terme فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ الظُّلْمُ. Vous aurez compris que ce terme الظُّلْمُ réunit toutes les mauvaises choses. Et justement, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous appelle. Il nous appelle à être attentifs. Tout au long de l'année, il faut éviter l'injustice, الظُّلْمُ, particulièrement pendant ces mois sacré, et en l'occurrence ce mois de Rajab que nous sommes en train de vivre. Donc on comprend à travers donc cette partie du verset encore une fois que ce qui est mis en avant, cette injustice dont Allah subhanahu wa ta'ala évoque, eh bien va dans le sens de tout ce qui est répréhensible, de tout ce qui est détesté, de tout ce qui rentre dans le cadre des mauvaises actions. Que cette action soit commise ou faite par la langue, ou par les membres, ou par le cœur, ou par le regard, et ainsi de suite. Donc à nous de vraiment faire attention et à mesurer sa juste valeur ces moments précieux que nous sommes en train de vivre. Autre chose qui retient mon attention par rapport à ce verset, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ » Ceci, ou telle est la religion droite, ou la religion juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah a créé 12 mois, parmi lesquels il en a choisi 4 pour les rendre sacrés. On pourrait se poser la question, comme d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de gens qui posent des questions. Pourquoi c'est 12 mois, c'est pas 13 mois? Pourquoi c'est 4 mois sacrés, c'est pas 5 mois, c'est pas 3 mois? Et pourquoi, parce qu'il faut l'évoquer, les 4 mois sacrés ne se suivent pas. 3 se suivent et 1 est tout seul. Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram, ce sont 3 mois sacrés qui se suivent. Et puis, nous avons le mois de Rajab que nous sommes en train de vivre, qui est tout seul en fait, qui est entre 2 mois qui ne sont pas sacrés. Pourquoi ce choix? C'est comme ceux qui posent la question, pourquoi Allah nous a demandé de faire 5 prières quotidiennes et pas 6? Pourquoi c'est 5 et c'est pas 3? Pourquoi salat al-dhuhr c'est 4 raka'at et c'est pas 6, c'est pas 3? La réponse c'est quoi? ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Telle est la religion juste. Allah, il crée, il choisit. Il a voulu que la situation soit comme ça. On n'a pas à trop chercher. Souvent, beaucoup sont éprouvés par des insufflations de ce genre. Allah, tout ce qu'il fait, il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière. Maintenant, on peut comprendre cette sagesse comme on peut ne pas la comprendre. Pourquoi c'est 5 prières quotidiennes et c'est pas 3? Pourquoi salat al-subh, c'est 2 raka'at, c'est pas 4? Il y a une sagesse derrière, mais qui la connaît? On la connaît pas, c'est pas du hasard. Il en est de même. Ça, c'est la meilleure réponse à avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur.
Et quand il crée, il choisit, il particularise, il spécifie des choses. Le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré, mais c'est ce mois qu'il a choisi pour nous demander, nous ordonner de jeûner. Et ainsi de suite. C'est pourquoi c'est, le Ramadan, ce n'est pas dans un mois sacré. Tous ces éléments, Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse qu'il y a derrière, c'est peut-être pour, entre autres, nous permettre d'avoir plusieurs occasions différentes et diverses pour pouvoir faire des actions qui nous mènent vers lui et qui nous rapprochent vers lui, subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Telle est la religion de justice, ou telle est la religion juste. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui choisit. Et quand il choisit, c'est lui le créateur, c'est lui le patron. On n'a pas à lui demander pourquoi si, pourquoi ça. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Il ne rend pas compte sur ses actes, sur sa création, sur ce qu'il a fait. Et il ne rend pas compte, c'est lui le créateur. Alors que nous, les créatures, nous avons des comptes à rendre. Donc, deux messages, Allah ybarik fikoum, mes frères et sœurs. Le premier, nous vivons un mois sacré. Et la meilleure chose à faire pendant les mois sacrés, c'est d'éviter de tomber dans les péchés. D'éviter de tomber dans les péchés. Quand je dis éviter de tomber dans les péchés, vous savez, c'est pas mission facile, c'est pas la chose la plus facile à faire. Mais évitons au maximum de tomber dans les grands péchés. Et puis à travers nos prières, nos invocations, les istighfar, les invocations et les évocations que nous faisons dans et après les prières, eh bien les petits péchés iront avec. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si vous évitez les péchés majeurs, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera vos péchés mineurs. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. Si vous faites l'effort d'éviter les grands péchés qu'on vous défend de faire, les grands péchés qu'on vous dit là, stop, n'y allez pas. Nous vous pardonnerons, nous vous effacerons les petits péchés qui sont liés à votre quotidien. Et puis, si nous faisons cet effort, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir de la force vraiment à y arriver, à éviter les grands péchés? C'est d'essayer de faire du bien. Évite le mal et fais le bien. Fais le bien et évite le mal. C'est deux choses qui vont de soi. C'est la meilleure chose à faire pendant ce mois de Rajab. C'est de faire au maximum, passer par tous les moyens, d'éviter les péchés, les grands péchés en l'occurrence. Les petits péchés aussi, il faut les éviter. Mais si on tombe dessus, on a plus de facilité, plus de chance d'être pardonné par rapport à cela. Car la conséquence des péchés pendant ce mois n'est pas la même qu'en dehors de ces mois sacrés. Donc ça, c'est le premier message. Et le second message, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée, quand il demande, on lui fait confiance à travers notre foi. On fait confiance, confiance aveugle, comme disent certains, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous demande de faire ça, qu'on comprenne le pourquoi ou pas, on fonce, on le fait. Puisqu'Allah nous a créés pour nous faire miséricorde. Rappelez-vous qu'Allah nous a créés pour nous faire miséricorde. Et par conséquent, tout ce qu'il nous demande de faire, et tout ce qu'il nous défend de faire, ça va dans notre intérêt, qu'on le comprenne ou pas. Qu'on le comprenne, si on le comprend, alhamdoulilah. Et si on ne comprend pas le pourquoi, si nous sommes rassurés que ce qui nous a été demandé, c'est authentique, c'est dans le Coran, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fonces. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Telle est la religion juste.
les choix qu'Allah fait, les ordres qu'Allah donne, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala fixe ne sont que l'expression de sa justice et de sa miséricorde vis-à-vis de sa création, en l'occurrence que nous sommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir la bonne compréhension de la religion et qu'il nous permette de profiter pleinement de ces moments précieux que nous sommes en train de vivre à travers les bonnes actions que nous allons faire et à travers les efforts que nous faisons pour éviter de tomber dans le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades, qu'il pardonne, qu'il fasse miséricorde à toutes les personnes qui sont décédées et qu'il nous permette de retrouver une situation meilleure par rapport à tout ce que nous vivons encore une fois, en l'occurrence cette crise sanitaire qui nous empêche d'avoir une vie normale. Une vie normale, c'est une vie spirituelle, c'est une vie sociale, c'est une vie professionnelle et ainsi de suite. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.